Ici, vous avez les petites canapés que le chef vous propose. Vous avez un blinis de sarrasin, ceviche de truite. Vous avez rien, vous avez pieds bleus, c'est les champignons avec une mousse d'ail. Et après, on a un brandade de loup. Donc, la petite cuillère, s'il vous plaît. Bonne dégustation. Vous avez une crème de carotte avec fan de fleurs de sureau. Bonne dégustation. Pour accompagner votre pain, on a une crème de barade qui est montée avec la farine de châtaigne. Donc ici, donc, vous avez donc le pain fougasse à l'huile d'olive fabriqué par l'équipe du chef. Et ici, vous avez la tourte de Marcolès, voilà, qui est un pain bio en fait. Hein. Pour accompagner, on a un beurre à la châtaîne, puisque nous sommes en pleine châtaignerie cantalienne, vous avez pu le remarquer. Et ici, l'envie du moment, c'est une crème de céleri avec courgette. Alors voici donc escargot et mousseron des bois, accompagné de fleurs de ponzu, des coquelicots. D'ortie. C'est très minéral l'ortie, il y a beaucoup de minéraux, c'est très bon. Bonne dégustation. Le plat principal de madame et monsieur, vous avez le carré de cochon avec chou calé, celtus et les agrumes pour vous. Bonne dégustation à vous. On va commencer avec la fourme d'Ambert, bleu du Buffon, sanité famille, loup carré douce, un lait de vache qui est tamisé, il vient de Lignac, brie de Meaux ou Camalou, vous connaissez. Petit Meige, c'est un fromage de chèvre et vache, 80% de vache et 20% de chèvre. Piastrinus la Buffon, il vient de Morse, GIE chez Ténéry. Salé à tradition, le Cantal entre deux, Cantal très vieux. Là nous avons le Tarn de Buffon. Fromage de chèvre, il est frais, 2 semaines et 3 semaines d'affinage, il vient de Boissy. Bastidus c'est du brebis, et Tarn de brebis d'Irati Basque. Là vous avez le Cantal très vieux, je l'ai mis là, le salé à tradition. Le bleu de Buffon et on termine avec la fourme d'Ambert. Si vous aimez au plus doux, au plus fort, bonne dégustation à vous. Là, je vous présente donc le pré-dessert. C'est une mousse de panettone reconstituée. Donc, vous avez tous les ingrédients du panettone qui sont reconstitués en mousse. Voilà, je vais les déguster parce que c'est frais. Hein. Mousse de fruits rouges, sorbet, yaourt bulgare et pesto d'estragon. Donc, voici donc les miniardises. Ici, donc, nous avons le flan vanille. Au centre, petite tartelette chantilly, fruits rouges, groseille. Et à l'autre extrémité, le chou caramel, beurre salé.